Mes grands-parents étaient les boulangers à l'Envar, et donc c'est un métier que j'ai toujours connu. C'est un métier un peu particulier puisqu'on vit en décalé, on travaille souvent la nuit, on dort assez fréquemment le jour. C'est pas donné à tout le monde et ça on peut le comprendre aussi. Et par contre c'est un métier qui est viable et puis quand le client est satisfait, on l'est aussi. Parallèlement à cette activité que je fais ici, je suis encore formateur au centre de formation d'apprentis à Raguenau en début de semaine, à mi-temps, et je complète mon temps en exerçant ici dans cette boulangerie un peu à l'ancienne avec un four à bois. On travaille essentiellement avec du levain et donc c'est une méthode de travail qui revient un petit peu actuellement mais qui s'est perdue dans les années entre 60 et 90. À l'ancienne, c'est un mot qu'on peut mettre entre guillemets parce qu'en fait on ne réinvente plus rien. On reprend ce qui existait déjà avant et les bords changent effectivement aussi. Mais forcément travailler au four à bois, ça c'est effectivement ancien mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde parce que la plus grande contrainte c'est déjà avoir la place pour stocker le bois. Si on n'a pas de place pour stocker, ça devient un calvaire pour ne pas dire de l'esclavage. Alors il y a une évolution que je n'ai suivie qu'en partie, c'est une évolution quand même notoire et qui a simplifié la vie à tout le monde. Pas seulement aux professionnels, mais essentiellement aussi aux ménagères, c'est l'apparition du réfrigérateur et de l'utilisation du froid en boulangerie. Donc ici, j'en ai relativement peu. Là, je suis vraiment encore à l'ancienne, puisque je pétris la pâte, je la laisse reposer 2-3 heures. Ensuite, je la pèse, je la façonne et elle passe à la cuisson. En ce qui concerne la formation des jeunes, il y a actuellement plus de jeunes qui apprennent la profession qu'il y a 30 ans. À comparaison, quand j'étais apprenti à Raguenau dans le centre de formation dans lequel je travaille, en 1989, on était 18 apprentis en boulangerie. Aujourd'hui, ils sont plus de 30. Donc, en premier lieu, on pèse les ingrédients qui sont nécessaires à la pétrisser. On calcule l'eau de température, la température de l'eau, pardon, puisque celle-ci est fonction de la température de la farine. D'abord, le levain de blé, qui a été pétri la veille. Qui a reposé durant 6 à 7 heures. Et on ajoute encore un peu de levain de seigle pour donner de l'arôme, puisque le seigle est plus aromatique que le blé. Et on va mélanger tous ces ingrédients jusqu'à ce que la pâte devienne élastique. On va faire des pains qui ont cuit 1,5 kg, donc pour obtenir 1,5 kg de pâte cuite, il faut peser à 1,770 kg puisqu'il y a la perte à la cuisson, et ça il faut le calculer avec. Maintenant, je commence déjà à fariner les corbeilles. Qui recevront après les pâtes. Quelle raison les farines? Pour que justement la pâte se décolle et que surtout qu'il y ait de l'aspect fariné sur le pain. À l'origine, il n'a été produit dans les fermes que tous les 8 à 10 jours. Donc, je suis resté fidèle à la grosse pièce hein, de 1,5 kg. Le principe, c'est de donner de la forme et surtout ce qu'on dit du corps à la pâte, qu'elle ait de la tenue. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé. Et là, en l'occurrence, on met de la farine dans la clé pour que le pain, après, au four, puisse éclater. Alors, on met le pain en panier. Pourquoi? Pour qu'il ait de la tenue et pour qu'il soit maintenu. Si je laisse la pâte comme ça, elle va se détendre. Et d'ici une heure, elle n'aura plus cette forme-là, elle sera beaucoup plus plate. Pour éviter que la pâte ne fasse une croûte,
et pour optimiser la fermentation. Là, c'est parti, il y en a à peu près pour une bonne heure. Ja, das nennen wir eine Ditscherseite, vierter Seitenfeuerungsofen. Beide Vierungen schlagen jetzt Flamme in den Ofen ein. Die Zeit ist jetzt gerade kurz. Donc après la chauffe, il y a toujours un temps de repos et de stabilisation de la température puisqu'il faut qu'elle se répartisse uniformément dans l'équerre. Et généralement, ce temps est à peu près égal à la moitié du temps de chauffe. Donc on a chauffé presque une heure et donc il faut à peu près 25 minutes pour le laisser reposer. Et là, il est juste encore quelques minutes et le four sera bon. Donc maintenant, on va nettoyer le four avec les coupillons. C'est une serpillière humide enroulée sur un bâton. On va dérouler pour extraire le reste de cendre qui subsiste sur le cuisson. Donc on ouvre déjà les tirages pour que la poussière puisse s'évacuer. On déroule le torchon et par un mouvement de rotation, on enlève les restes du cendre. Vous faites un des cendres du soutle. Mit einem guten Lumpen. Ist ein Noster Lumpen? Ne? Ja, das ist Fischt. Fischt. Noster von Itzin. Ansonsten gibt es eine thermische Reaktion. Ich glaube, da kann ich hingehen. Dann hoffen wir noch mal l'état de fermentation. So, maintenant le four à 250 degrés. La température est bonne. On remarque aussi qu'il est reposé puisque le rayonnement n'est plus aussi intense. Voilà, la deuxième fournée est terminée. Alors ça, actuellement, presque plus personne ne le fait, façonner à la main. Et donc, le savoir-faire se perd. Et malheureusement, quand il faut le faire alors à la main, les boulangers perdent énormément de temps. Donc, on voit une façonneuse, ça s'appelle une façonneuse, la machine qui fait cette opération-là. C'est certainement une des tâches les plus jolies de la boulangerie, le façonnage. Il n'y a pas de façonnage type, chaque boulanger façonne d'une autre façon. Je n'ai jamais eu deux boulangers qui façonnaient de la même manière. Maintenant, on va attaquer les suprautes. Les suprautes, c'est typiquement alsacien. On ne les retrouve pas en France, on ne les retrouve pas en Allemagne. Donc, c'est fait avec deux pâtons de poids identique. Là, en l'occurrence, j'ai fait maintenant deux fois 1 kg. Ils
seront étalés. Après, on y mettra une fine couche de beurre ou de notre graisse. L'origine vient du sou. C'est un pain qui valait un sou et ça date de la période juste avant la Première Guerre mondiale. Et par des formations linguistiques, le sou a donné ce U, tout simplement. Il faut savoir que le sucre-brot en Alsace était très répandu pour le petit déjeuner et que jusque dans les années 60, il a remplacé la baguette. La baguette n'a atteint l'effinage alsacien qu'à partir de 1960. Avant, on connaissait à peine la baguette en Alsace. On applique une fine pellicule de matière grasse fondue, là en l'occurrence c'est maintenant du beurre, sur les deux morceaux. Le but, c'est de coller les deux pièces, mais en même temps, à la cuisson, il faudra que ça se décolle. Quand on met trop de beurre, après, il se décompose. S'il n'y en a pas assez, ils resteront collés ensemble. Wenn zu viel Butter ist, fallen sie auseinander. Wenn sie nicht genug fett sind, gehen sie nicht auseinander, dann hat man sie in Schwurven. On va laisser reposer quelques instants le temps de façonner les baguettes et alors on pourra les détailler. Et donc maintenant on va les détailler en losange. Et donc un sucre-brot n'est jamais pesé, le sucre-brot c'est à l'œil, mais il faut que ça soit régulier. Donc je coupe des losanges de taille égale et si l'on regarde bien, on voit la ligne de matière grasse. Et cette ligne va devoir éclater au four après. On les met sur la couche, sur la toile de lin, ça s'appelle une couche. On la farine bien sûr, pour éviter que ça ne colle. Il n'y a pas de formation de boulanger-pâtissier, ce sont deux formations distinctes, soit celle de boulanger, soit celle de pâtissier. En fait, les deux métiers se distinguent par quelque chose de très simple. Alors forcément, la pâtisserie est un peu plus créative que la boulangerie. On utilise les mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions, puisqu'en boulangerie, c'est essentiellement la matière première, c'est la farine. En pâtisserie, la farine est une matière première qu'on utilise, comme le beurre, le sucre, n'est pas dans la même proportion. Par contre, la grande différence, c'est qu'un boulanger, quand il travaille avec les levures, il cultive les microbes. Un pâtissier, dans sa philosophie, il faut qu'il les détruise. C'est ce qui fait la grande différence des deux. Dans les boulangers, s'il n'y a pas de bactéries qui travaillent, ça ne fonctionne pas. Et en pâtisserie, s'il y en a, ben, ce n'est pas trop bon, puisqu'alors le produit ne se conserve que très très mal.
Thank you.